il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Ta silhouette, je la vois dans la salle des profs. Je vois ta chemise, toujours. Le gobelet que tu tiens, ton sourire malicieux parce que tu as un truc marrant à dire. Il était difficile de ne pas s'approcher, de ne pas t'écouter, de ne pas se laisser ravir par un conseil de lecture, une anecdote, un rien, un tout. Ta silhouette, je la vois dans les couloirs, devant une classe un peu dispersée que ta présence ramenait au calme, parce que c'est Monsieur Bernard, alors bonjour monsieur. C'était aussi ça ton pouvoir avec les élèves. Tu étais là pour eux. Ils l'avaient compris et se nourrissaient en désordre de ta passion dévorante pour la littérature. Nous sommes là déchirés dans notre affection, sans doute aussi atteints dans notre foi en l'homme et en la société. Pourtant, nous sommes là, désemparés mais ensemble. Nous sommes là, abasourdis, mais refusant de nous laisser écraser. Nous sommes là, dépouillés, mais sachant que la meilleure manière de résister à un tel attentat est de rechoisir délibérément la vie et l'avenir. Je suis très émue, ça m'a énormément affectée. De me dire qu'on peut perdre la vie en allant à l'école et puis et que ça touche une ville comme Arras, qui est ma ville. Je suis en colère de me dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on en arrive à de telles situations. Et puis j'ai peur pour l'avenir de nos enfants. Voilà. Tout simplement observer ce grand silence et ce respect. J'étais samedi devant le lycée, l'après-midi, et j'ai trouvé extraordinaire le calme des gens qui venaient. Vraiment, on sentait avec leur cœur, et les gens qui se rassemblent aussi. Et je me dis que quand on dit, il n'y a plus de repères, les gens ceci, les gens cela, non, il y a quelque chose, on sent qu'au-delà, il y a quelque chose tout de même de très fort, quoi. Il y a encore du cœur.